je vous demande de faire un triomphe à Loïc Noté et Jean-Marc Généreux. Oh mon Dieu. Bonsoir Olivia, bonsoir Thierry. Bonsoir David. Bonsoir David, j'adore ton look. Thank you. Pour le look de David, j'ai envie de dire deux. Ça, j'achète. Yeah. Avec moi. Ça, voilà, j'adore. Bien. On est super content d'être là avec Loïc. Oui. On est vraiment super content. On vient d'un concours de danse. On était juré dans un concours à Dieu. Moi, je faisais tout ce qui était débriefing. Oui. Et Loïc notait. C'est très bon, c'est très bon. Pour la vanne, j'adore cette blague. Et cette blague, Loïc, on va se calmer. C'est un peu, ça casse. Loïc, bonjour. Alors Loïc, est-ce que vous allez bien? Il va super bien. Non, attends, il est super content. Il est super content. C'est du bonheur, du style, de la classe. Et pour ça, je mets un 10. Bon, alors, je me demandais lequel des deux allait m'énerver le plus. Moi, je crois qu'il n'y aura pas... Nous avons Jérôme de Warzy. Je l'adore. Il a un superbe crâne. Et pour son crâne, j'ai mis un 9. Ouais. Bon. Je me demande pourquoi je m'inflige tout ça. Je ne sais pas. Bon, alors, Loïc, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Il est tendu. Mais taisez-vous, enfin. Il est tendu. Et d'habitude, il y a toujours BJ pour l'aider. BJ Scott. Maman. Non, il a confondu David avec JB Scotch. Bon. Je l'adore. Et ça? Pourquoi? C'est bon. Pourquoi appelle-t-on BG pour calmer Loïc? Parce qu'elle lui donne le sein. Loïc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir. Alors, Loïc. Moi aussi. Bon, écoute. Bon, alors. Vous allez vous calmer, le Canadien, parce que je peux vous dire que si vous sortez encore une de vos périphrases, je vais vous amener un type qui va vous clouer le bec définitivement. Hein. Mais nous, on n'a pas peur, on a peur de personne. Vous allez nous amener qui? Paul Magnette. Bon, alors. Voilà. Alors, Loïc, bon, alors, quelle carrière, hein? Vous avez d'abord été révélé dans The Voice Belgique. Oui. Vous n'êtes pas obligé de lever la main pour répondre. D'accord. Ouais, j'adore. Ouais. J'adore, Loïc. Bon, j'adore. Alors, vous... Merde, tu es en train d'imiter David Jean-Marc, là. Pour ça, je me mets un 0. Bon, alors, vous avez participé à The Voice, à Danse avec les Stars. Racontez-nous un peu votre quatrième place à l'Eurovision. Ah, il est stressant. Je suis un peu stressée. Disons que... Pour moi, c'était une grande émotion de participer à l'Eurovision parce que j'ai toujours admiré, j'ai toujours voulu me mettre dans la lignée de tous ces chanteurs belges qui ont participé à l'Eurovision. Comme Sandra Kim, par exemple, qui est un peu mon idole, parce que comme Sandra Kim, moi, j'aime... La vie. Non, les fricadelles Mora. Bon, alors, néanmoins... Une belle... Je ne cautionne pas. Bon, néanmoins... Sandra, je t'aime. Alors. Moi aussi. Sandra, on t'aime. Bon. Et ça? Ça, c'est... Sauf son album. Oh. Bon, alors, néanmoins... Qu'est-ce que... T'as taillé fort. Bon, alors, néanmoins... Une belle... une belle quatrième place à l'Eurovision. Que de souvenirs. Avez-vous une anecdote? Voilà. Oui. Pardon, je suis un petit peu... Vous êtes arrivé quatrième. Oui, je suis arrivé quatrième à l'Eurovision. Oui. Et j'étais entre le troisième
Et le cinquième, j'étais juste entre les deux, en fait. J'étais le quatrième. Oui. Non, mais d'accord, mais je veux dire une anecdote, enfin une autre, enfin encore un peu plus, quoi. Oui. Oui, d'accord. C'est belé. Oui, c'est parce qu'en fait, les trois premiers sont arrivés avant moi. Et donc, moi, j'étais juste après eux. Et puis après, après il y avait le... Enfin, j'étais avant le cinquième. Mais il y en avait trois devant moi, en fait. Ce qui fait que j'étais le quatrième. Et j'étais... Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. C'est tout. Non, mais parce que, en fait, si on avait eu... Si le troisième... Non, mais... avait été quatrième. Oui, d'accord. Bon, c'est, ça... Moi, j'aurais été le troisième. Et le quatrième aurait été troisième. Mais ça, à The Voice, hein, si B.G. Scott avait pu le deviner, ça... Maman. Bon, allez. En revanche, j'ai une super anecdote, totalement inédite, si je peux la raconter. Oui, je vous en prie. Ok. En 1963, j'ai rencontré Salvatore Adamo. Non. C'est pas que ça. Alors maintenant, vous sortez votre premier album, c'est tout de même un parcours incroyable. Hein. Oui. Que trouve-t-on sur cet album? Des chansons? Bon, d'accord, dans With Them Inside, coécrit par B.G. Scott. Maman. On a compris Loïc, jusqu'où allez-vous aller, Loïc? Eh bien, la prochaine étape, ça sera Las Vegas Broadway! Non, je veux pas y aller. Si, il rigole, tu vas y aller avec ton gabarit, je vais t'envoyer un coup de pied au cul, tu vas aller de l'autre côté de l'Atlantique, petit morveux, tu vas y aller! Non, je vais le dire à maman, je vais pas y aller. Eh bien, pour ça, Loïc, je te mets un dieu! C'est ça, donc... Un 2,5 maximum. C'est sa note pour ce soir. Mais non, c'est sa tension. Et ça... Ça c'est... Merci Jean-Marc Généraux. Ça c'est... Alors Loïc Notet, vous restez avec nous encore quelques instants parce que vous avez envie de partager un moment important avec nos téléspectateurs. Vous avez une surprise à nous proposer. Oui. Vous allez rejoindre tout de suite James Dino qui est en duplex et vous allez nous proposer une très très belle surprise. Merci. Bonsoir Loïc, quel plaisir de vous accueillir sur ce duplex, bonsoir. Bonsoir, je suis très content d'être là aussi parce que je vous adore, James Dino, j'adore le rap-up. Ouais, ta gueule Loïc, c'est mieux quand tu danses. Alors, nous sommes d'ailleurs toujours époustouflés par vos prestations scéniques et ce soir, pour le Grand Cactus, vous avez décidé de réitérer cette chorégraphie exceptionnelle qui avait fait se lever le jury de Danse avec les Stars. Rappelez-nous le titre du morceau, l'interprète, c'était qui encore? Oui. Non, ça n'était pas oui, c'était Sia. Et la chanson, c'est Chandelier. Et vous allez rire, Sia est parmi nous ce soir. Sia, mesdames et messieurs, Sia! Alors, je vais retirer le petit chapeau pour qu'on puisse voir un petit peu son visage. Regardez-moi ça comme elle est super. Oui, c'est comme les caniches, on ne sait jamais dans quel sens il faut le prendre. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, musique, c'est parti, à vous. Il est où? J'ai entendu qu'il était là. Hey, Mister!
pieux, quoi. Mais non, pas du tout. Dis, Laurie, qu'est-ce que tu fais, là? Il faut descendre. Mais non, je me suis pas trompée de studio. J'adore les cactus dans le froc, moi. Oh, oui. J'adore. Oui, moi aussi. Oui, les cactus dans le froc. Oui, absolument. Mais on connaît les liens qui vous unissent à ce jeune garçon, si c'est pour ça que vous êtes là. Ah oui, il faut dire. Mais d'ailleurs, je prédis un avenir extraordinaire pour ce petit garçon. Ah oui, bien sûr. Franchement, en plus, il y a eu des gens qui lui a bien aidé, quand même, c'est son chemin. Ah oui, vous parlez évidemment là des producteurs de son album qui l'ont énormément aidé. Non. Le manager de Stromae qui lui a donné beaucoup de conseils. Non, attends. Je vois pas qui c'est. Mama. Excellent. Oui. Of course. Mais comment j'ai pu oublier? Mais évidemment, c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui, c'est grâce à vous, évidemment. Mais je suis con. James, darling, j'ai remarqué que tu avais quelques talents. Oui, je crois que tu ne sais même pas où ils sont. Ah, c'est... si. Non, tu peux t'aider de les trouver. Oui, à volontiers, bien sûr. Okay. Bien sûr. Trouvez une chute à ce moment. Merci à Bill Scott. J'ai quand même la pression. C'est ce qu'il y a pas de chute, alors je vais en faire une. Allez, il faut encore une dernière petite chose pour que si.